Bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à poser un zip sur le pull socks. Et dans cette version, nous allons utiliser un devant, un dos et le col mi-haut. Première chose, nous allons entoiler au dos du devant, du milieu devant, une bande avec une bande de thermocollant. Donc à peu près sur une quinzaine de centimètres. Ça va surtout dépendre de la hauteur de votre zip. Vous prendrez la hauteur que vous souhaitez au niveau du zip. Moi, j'ai pris 15 cm, donc il va aller une partie sur le col et une partie sur le devant. Une fois que votre thermocollant est posé au dos, vous allez marquer le repère du milieu devant et vous allez inciser tout droit, environ sur 3-4 cm dans un premier temps. Vous allez également marquer le milieu de votre col. Donc moi, j'aime bien utiliser des petits crans partout. Hein, sur le dos, sur le devant, et on va venir l'ouvrir et l'épingler de part et d'autre sur quelques centimètres. Voilà, de ce côté, vous prenez l'autre côté et vous le placez comme ceci. Donc on est endroit contre endroit. Au début du col. Et là, on va venir faire une piqûre à la machine à coudre, pas à la surjeteuse, à la machine à coudre, à 1 cm, sur environ 4 ou 5 cm de chaque côté. Bon, 4 cm, ça va suffire. Voilà ce que vous obtenez. Donc, vous avez prépiqué l'ouverture. Et là, on va calculer de combien va être notre ouverture en fonction du zip qu'on aura choisi. Alors, pour ça, déjà, on va se mettre à la moitié du col. Donc, pour ça, vous le repliez, vous comptez bien les marges de couture avec et vous crantez de chaque côté. Enfin, de chaque côté, vous faites votre petit cran. Et donc, on sait que le zip, le haut du zip, il va aller ici à la moitié, comme ceci. Et ben ensuite, il va descendre tout le long et en face. Donc, du petit cran d'arrêt, vous allez mettre une épingle. Voilà. Donc là, on sait exactement comme ça la distance qu'on va devoir inciser pour poser notre zip. Ensuite, il vous faut un stylo effaçable. On va tracer. On va pas faire ça comme ça. On trace. Là, on va tracer jusqu'en bas. Par contre, on va venir s'arrêter de couper à 1 cm avant l'épingle. Ça, c'est hyper important. Et donc là, on va pouvoir inciser jusque là. Et ensuite, on va aller inciser en diagonale à 0,5 mm de part et d'autre. Donc, comme ceci et 0,5. Donc, du coup, on va avoir une petite base de 1 cm. Toc et toc. Voilà, donc ça c'est très important de l'avoir pile à la base de là où on avait posé l'épingle. Ensuite, on va venir prendre notre zip et on va venir le placer endroit contre endroit du premier côté. Et là, on va épingler, vous mettre des pinces, vous pouvez mettre des pinces aussi si vous êtes plus à l'aise. Hop, la petite marge de couture, vous pouvez la basculer vers le haut. On va épingler soigneusement jusqu'en bas. Toc. Et une petite chose aussi, c'est que moi, j'aime bien mettre un repère à l'endroit donc de la jonction entre le col et le corps. Je vais mettre le même repère sur le ruban du zip en face. Toc. Comme ça, vous voyez, tout à l'heure, quand on posera à l'autre côté, on saura exactement que ce point-là doit également venir sur la couture. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Et là, on va venir piquer avec le, donc son pied à fermeture éclair tout le long du zip. Donc, on part du petit cran et on va venir jusqu'au bas. Alors, on va bouger notre navette en même temps, jusque pile au bas de la griffe. Et donc, ça doit venir pile
le long de notre épingle. Alors voilà, c'est fait, j'ai piqué tout le long et je me suis arrêtée pile poil à cet endroit-là. Donc là, on a notre paire pour faire l'autre côté, hein, qui est bien aligné avec la couture. Et là, je vais donc venir ouvrir et placer de la même façon le ruban endroit contre endroit de l'autre côté. Donc je sais que le cran, il va venir de ce côté. Là, j'ai mon repère de tout à l'heure, donc ça m'aide bien. Je sais que je serai alignée. Parce que l'idée, c'est quand même d'être alignée. Là, si vous avez besoin, vous basculez. On peut enlever l'épingle pour pas qu'elle nous gêne. Vous pouvez refermer légèrement. Et on se met bien en face de l'autre côté pour piquer tout le long. Donc, il faut être précis. On prend son temps, mais c'est pas compliqué. Voilà, on a piqué de l'autre côté. On va vérifier notre alignement. Donc tout à l'heure avec nos repères, ça nous a permis d'être alignés. Et à cette étape-ci, on va choisir ou non de mettre une sous-patte qui va venir protéger donc le corps du zip. Donc ça, c'est vraiment si l'on souhaite. Sinon, vous laissez votre zip directement sur le vêtement. Mais parfois, on peut mettre donc une petite sous-patte derrière. Donc là, je vais vous expliquer comment la rajouter sur le côté gauche. Alors donc, si vous souhaitez ajouter une sous-patte, donc vous allez faire donc une bande de 6 cm de large, et puis la hauteur, ben, vous faites un peu plus long. Il nous faut au moins 1 cm en haut, et puis en bas, que ça aille au moins jusqu'en bas du zip. Donc vous mesurez. Et là, on va mettre endroit contre endroit, et on va venir fermer le haut. Une fois que vous l'avez fermé, vous crantez l'angle, et on retourne. Voilà, comme ça, on a quelque chose de bien propre qui va venir ici. Hop. Voilà, de cette façon. Donc, le long du zip, tout simplement, vous mettez au ras du petit cran. On va venir mettre des pinces ou des épingles, faites comme vous voulez, tout le long. Et donc, il faut quand même qu'il soit assez long pour que ça aille en bas de la fermeture. Et là, donc du coup, tout simplement, on va venir repiquer. Alors, pas besoin d'être trop près de la fermeture, hein. Vous piquez le long, vous mettez de ce côté-là, comme ça, vous pouvez resuivre votre piqûre tout le long jusqu'en bas. Voilà, j'ai fixé ma sous-patte. N'hésitez pas à refaire plusieurs piqûres au besoin. Hein. Vous ne défaites pas, vous refaites plusieurs piqûres pour être sûr d'être que ça soit bien joli, bien aligné. Et là, en bas, donc que vous ayez fait la sous-patte ou pas, hein, je rappelle, c'est optionnel. En bas, vous allez soulever. Et là, vous allez voir apparaître votre petit triangle. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que la sous-patte, vous pouvez la mettre pile à la même taille que le zip. Et le petit triangle, on va venir le piquer ici, en partant bien d'un coin à l'autre. Il faut bien bloquer, mais sans pincer le tissu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse de pli. On fait vraiment au bord, au ras. On va venir passer vraiment au ras des petits coins des triangles de tout à l'heure. Je vais vous montrer ce que ça donne de près. Voilà. Et on va vérifier qu'on n'a pas pincé le tissu. Vous voyez, on pourrait penser que là, il y a un pli, mais il n'y en a pas. Et après, c'est le fer à repasser qui va bien aplatir le travail. Voilà, votre zip là, il est presque terminé. Ensuite, on va s'occuper du haut du col. Donc ici, bon, couper les petits fils. On va venir pousser le bout du zip vers l'extérieur. Et rabattre vers le bas notre col. Hop. Comme là. Et on va venir piquer de ce côté. Et là, pareil. Toc. On met par-dessus
Vous prenez bien le temps d'aligner, hein, bien les coins. Et on va venir repiquer le long du zip, juste sur cette partie. Alors, on va venir dégarnir légèrement les angles. Hop, pour faire un peu moins d'épaisseur. Et on va retourner. Toc. D'un côté, de l'autre. Et là, on a presque terminé. Voilà. Donc là, on a comme ça un zip qui est protégé ici au niveau du cou, qui ne sera pas désagréable au porter. Également de ce côté-là. Et en plus, on a rajouté une petite soupape. Donc voilà, qui était optionnelle. On va fermer notre zip. Et voilà, il est terminé. Donc bien sûr, il ne nous reste plus qu'à réépingler notre col sur le vêtement. Donc on va refaire coïncider le milieu d'eau. On reprend nos crans, sa roulotte. On le voit plutôt. Hop. Endroit contre endroit. Tac. Et ensuite, vous étirez légèrement votre col pour placer des épingles. Et vous allez venir le fixer tout autour, directement à la surjeteuse ou d'abord à la machine à coudre. Ensuite, après, avec un point zigzag ou une surjeteuse si vous en avez une. Alors, pour ma part, moi, je préfère d'abord piquer à la machine au point droit allongé. En fait, ça me sert de bâti. Donc, comme ça, ça permet de vérifier ici que vous avez bien rejoint la première couture qu'on avait fait sur 4 cm. Voilà. Et puis, bah, après, je vais la passer à la surjeteuse. Et si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites un point zigzag sur toutes les épaisseurs. Alors, bien sûr, vous ne pourrez pas aller complètement au bord du col, mais vous vous arrêterez aux 3-4 cm. Et comme c'est une maille et que ça ne s'effiloche pas, ça ne risque rien. Voilà, votre zip est maintenant posé. Donc, ça va changer tout le style de votre petite pull socks. Et puis, vous allez pouvoir vous amuser et faire pas mal de déclinaisons chez l'homme, comme chez la femme, comme chez l'enfant. Voilà, à bientôt!